Et bonjour tout le monde! Alors, la dernière fois, ça ne s'était pas passé comme prévu. J'espérais que les Batanians attaquent directement la Vlande, enfin les Vlandes. Et au lieu de ça, eh ben, c'était la Sturgie et puis l'Empire. L'Empire, lequel déjà? Septentrional, qui ont attaqué. Ils sont trop loin pour moi. Je ne peux pas, j'ai pas très envie en fait de me mettre vassal avec eux, en fait, de servir leur roi. Donc tout ce que je peux faire pour le moment, c'est de m'attaquer à eux et puis d'augmenter la renommée, ce qui va me permettre également d'avoir de plus grands nombres de troupes. Ce que je vais faire, bah, c'est que je vais continuer comme ça, en attendant que soit la Batanie, soit l'Empire occidental attaque ou nous déclare la guerre, et là je vais enfin pouvoir faire comme je l'entends. Enfin bref, pour le moment. Ah, ça va, il rentre pas au château. J'ai eu de la chance. Bon, évidemment, j'ai combien de prisonniers? 79, ouais, effectivement. Ça me fait ralentir. Ils sont à combien? 4,6, je suis à 4,4. Bon. On va aller à Rothae. On va revenir après. À Rothae, je crois que je suis déjà à fond avec eux. Au niveau de réputation. Mais on va quand même leur donner les prisonniers ici. Et puis, je vais revendre le reste. Il me semble que j'ai aussi un petit peu ici. Je suis à combien? 1320 de nourriture. Je vais pouvoir revendre un petit peu parce que ça prend pas mal de poids. Quoique, j'ai 20 000 de place. Donc, largement de quoi faire. Tout le reste, je vais pouvoir revendre. Ça me fait 34 000. C'est très bien. On va retourner un peu au combat. Qu'est-ce qu'il me manquerait ici? De l'infanterie, absolument. Je vais voir ce que je peux recruter. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Puis on va voir sur les villages, sur le chemin, s'il y en a. Ah bah tiens, lui on va le choper. Cette fois-ci, je suis à 4,9. Lui, il a 3,5 en forêt. That's close enough. Là, ils sont quand même trop nombreux, donc je vais attaquer moi-même. J'espère que je n'ai pas l'arc. J'ai plus, j'ai oublié, j'ai pas regardé. Enfin bon, bref. Ah bah ça va, c'est pas la grande forêt. Ils sont pas très loin. Une attaque de nuit. Allez, on y va. Ils ont des archers, ils ont de la cavalerie. Ils ont l'air de débarquer. Je sais pas, ils viennent vraiment ou ils vont se planquer là? Non, ils vont se planquer, je dirais. Allez, attaquez-moi. Ouais, ils débarquent, ils débarquent. Je pensais qu'ils allaient se planquer. Quoique, attends, je vais déjà m'occuper un petit peu de la cavalerie. Ouh, par contre, ils ont des archers là. Attention, attention. Soldiers! Make a shield wall! Ouh, j'ai pas fait tant de dégâts là. Pourtant, j'avais récupéré la bonne arme qu'il me fallait. Et ça va, on les descend, on les descend. Ils commencent à attaquer. Ils ont combien de... Ils en ont 52. Allez, c'est parti. On accélère un petit peu la cadence. Il va falloir s'occuper un petit peu. Va falloir s'en débarrasser un petit peu de cela. Ça fait quand même pas mal de dégâts. Et moi, je suis bientôt tombé. Et bah, je suis tombé.
Ça commence bien. 3 morts pour le moment. Ça va pas plus. Ok. On reprend les prisonniers. Ceux-là, on va les prendre également. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? On a quelque chose qui pourrait intéresser. Ok, à partir de là. Le reste, ça ne vaut rien. Ok, on prend tout le reste. Je me fais un petit peu de pognon comme ça. Ici, on est toujours à 48, ok. Il faudra de la cavalerie aussi. Il n'en a pas. Les archers, il faut que j'arrête. J'en ai déjà trop. Qu'est-ce que j'ai gagné ici? Rien. Peut-être un peu de points. Probablement, je garde. Je verrai ça une autre fois, un petit peu plus tard. Il me fallait aussi... Mais là, j'avais déjà recruté... Ce qu'on va faire, c'est ça. Et on va revendre. Le sel, ça m'intéresse pas. 15 000 quand même, c'est pas mal. Là, ils ont attaqué 425. Ils sont trop nombreux. Ouais, vous pouvez prendre Retaillé maintenant. C'est pas un problème. Ah mais non, mais on n'est pas en guerre contre eux, c'est ceux du dessus qu'on est en guerre. Villageois, ça ne m'intéresse pas. Ici, ils sont combien? C'est des villageois également. Il n'y a pas de troupes en dessus? Ça n'a pas l'air. Bon après, je peux retourner aussi un petit peu au nord, laissant que 36, 37, c'est pas intéressant. Là, ça commence un petit peu, mais... Ils ont quoi? Est-ce qu'ils ont beaucoup de recrues? Non, pas vraiment, donc... là, je préfère... Ah bah, il va se planquer, ok? Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre? Il vient de ressortir. Mais il va retourner se planquer, donc je préfère attendre un petit peu et... aller attaquer des personnes qui m'intéressent, enfin des groupes qui m'intéressent. Ici, il n'y a personne. Ils s'étendent jusqu'à où? Jusque là et surtout là-haut. On va retourner en haut. Pas facile de trouver. Mais sinon, je vais retourner, je vais aller voir les Sturgiens. C'est bon, 3 pour un château, ça ira ou comment ça se passe? Ok, pourquoi pas? Alors la Batanie s'étend aussi par là maintenant. Ils sont 115, je peux aller les défendre. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Un problème avec ma souris ou quoi? Attendez voir, je regarde juste un truc, voilà, ça je crois que c'est mieux. Mais non, il y a un problème. Bon, c'est pas grave. Assire le camp de siège. Ah bah tiens. Il y a les troupes qui viennent m'aider. Allez, c'est parti. Je sais pas, il y a un truc qui a changé avec ma souris, c'est bizarre. Ils sont assez loin, hein, donc on va avancer. Je vais voir comment est-ce qu'ils font. S'ils avancent, s'ils reculent, s'ils restent sur place. Bon, là, on peut faire avancer jusque là, en tout cas. Toi, tu y vas comme ça, tout seul.
Et donc, c'est qu'ils sont loin. Et puis, ils restent sur place. Hein. Ils ne bougent pas. Donc déjà, on va pouvoir les faire avancer jusque là. Cavalry soldiers, forward, horse, move out. Ah. Salopard. Et je touche personne. Alors moi par contre... Mais ça va pas du tout, hein. Ça ne va pas du tout. Salopard. Ok, ça va, ils débarquent, ils sont là. On n'est plus qu'à 109 mètres, on va avancer encore un peu. Allez, je vais faire attention quand même. Ils sont combien, 98 là? Moi, du haut de mes 50, ça va pas être énorme. Les autres, ils se font laminer. On va attendre un petit peu. Ils ont plus que 3 archers. C'est bon, ils débarquent. Cavalerie attaque. C'est gagné, j'en ai perdu qu'un seul, ça va plutôt bien. Mais je sais pas ce que j'ai avec ma souris là, elle déconne des fois. Alors, ah voilà, c'est mieux quand même. Ça, tac tac tac. Ah oui, là, va falloir changer quand même. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? ?145, j'ai pas de blessé. 37, 54, 54, il me faut quand même récupérer encore de la cavalerie. Et pas que, il va aussi me falloir de l'infanterie. Et 145 sur 167, ok. Là, il n'y a rien. Rien non plus. Ils vont y arriver en fait là. Tiens, peut-être ici. Non. Mais j'ai de l'infanterie que je vais embarquer direct. Ce qui me fait 62.
Ça va me coûter cher tout ça. Ouh, il y a une sacrée bataille là. Une sacrée bataille. Ouais, 800, 1000, 1200, on va dire 1300 à peu près. Ok, on n'est pas assez nombreux, on se barre. où est-ce que je vais bien pouvoir aller? Attendez voir. Que je me repère, voilà. Comme ça, ça va mieux. On va passer sur. Non, pas sur Varcheg. Ouais, quoi que. Allez, Varcheg. Ouais, là, il y a pas mal de prisonniers de l'autre côté, hein. C'est bon, en santé on est bon. On va pouvoir continuer. Je sais plus s'il y avait de la cavalerie ici déjà. Non. Je sais plus où ils sont. Oh, Liana, merci beaucoup, Liana. Et dis-moi, qu'est-ce que tu m'as donné comme enfant? Plus que je sache. Oh non, encore une. Ah! Un petit garçon. Merci beaucoup. Oula. Château de Cranérog. Là, je vais me planquer. Ah, ils sont 105 là, non? Ah non, 1059. Rien à voir. Des archers, j'en ai déjà trop. 54. 4, oula, dis donc, c'est qu'ils sont beaucoup là. Hein. Ils sont beaucoup, mais comme je le pensais justement, ils vont s'attaquer assez fort ici. C'est pas du tout ce qui m'intéresse. Non, mais je m'en fous de Dertert. Je ne veux pas Dertert. Ou alors, il y aura un autre moyen. Je pourrais. Passer vassal par exemple chez eux. D'ailleurs, ils sont en guerre contre qui ceux-là? Batani contre la Sturgie et l'Empire occidental contre Ecusate. Je pourrais après accumuler de l'influence et avec cette influence, après, je pourrais. Ah, mais non, mais ça marchera pas. Ça marchera pas parce que il faut absolument un soutien. Et puis en fait, j'aurais pu proposer pour 200 d'influence. Si on a plus de 50%, on pourrait déclarer la guerre. Mais ça ne marche pas très bien non plus. Donc. Ah, c'est vraiment embêtant quand même. Hein. C'est vraiment embêtant. Morcon, non, je pense pas. Ça, c'est un. Ça fait partie de l'Empire, ça. We're not looking. Mais non, je clique trop vite. Deux blessés, bravo. Qu'est-ce que je voulais faire, je sais plus. Ah oui, bon, bah, là, Morcon, c'est pas grave. Alors. Putain, ils ont pris retaillé, là. C'est bien. Ils sont 247 hein, quand même déjà. Ils sont 42 là, ça ne m'intéresse pas. C'est ennuyeux quand même. Et si je passe vassal, le problème c'est que je vais perdre quand même beaucoup de sous là. Hein. Le temps de récupérer des villes, etc. Ça va devenir long.
choper 4,7, 4,8. Tell me your name. Évidemment, on va se battre en ville. Faut au village. Non, même pas, nickel. Allez, c'est parti. Je passerai ça après. Ok, on va les mettre là. Ils sont assez loin, je pense qu'ils vont rester planqués. Horses, move out. Soldier, move. Hey. Je pense qu'il débarque. Warriors, get moving, men. Fall arrows, stand apart. Horse, soldiers, get moving. Il reste encore de la cavalerie là, c'est surtout eux que j'aimerais échapper. Le restant là-bas. Je pense qu'il est mort hein. Bon ça va, c'était vite réglé, j'ai qu'un seul blessé, c'est nickel. Ben voilà, comme ça aussi on monte. Là je peux prendre tout le monde. Eh ben dis donc, on commence à s'équiper bien, bien clairement là. Ok. Ensuite, ah bah tiens. Ensuite, plus rien. Ok. Allez, qui est-ce qu'on peut avoir encore? Est-ce que 90, est-ce que j'oserais attaquer moi? J'en suis pas certain. Euh, 39, 63, 54. Ici, est-ce qu'il y aurait de la cavalerie? Non. Allez, on va redescendre par là, on va voir. Ah bah tiens, Festos. Il risque d'être plus rapide que moi. Ah merde, il y avait le château. Espèce de petit vilain, va. Merde. En fait, si je bouge pas, il continue, c'est bien. Et si je me mets là. Bon, ok, laisse tomber. Ici, il n'y a rien. Sinon, il y a de ce côté quand même. Hein. C'est vrai qu'ils sont bien étendus ici. C'est bien raison de prendre Varcheg.
Comme ça, Château d'œuf, il sera cerné totalement. Parce qu'il est blind. Voilà, bah c'est bon, il est redescendu. Mais non, mais il va resplanquer, c'est pas possible ça. Bon, laisse tomber celui-là. Où est-ce que je pourrais aller revendre tout ça là? Tiens, on va aller à Mitatis. Berlioz a fait la paix avec les Cusates. Ok. Non, c'est pas du tout ce que je voulais faire, c'était ça. Et puis ça. On va peut-être prendre un petit peu plus de nourriture. Du poisson, on en a encore un petit peu quand même. Par contre, tout ça, ça modifie pas le poids. Ça a pas l'air, hein. Ça descend juste la nourriture, d'accord, bon. Par contre, je vais prendre du raisin, de la bière, de la viande, du beurre, du fromage, des olives, et puis des dattes. Tiens, vas-y. 77, pas grand-chose, mais c'est toujours ça. En santé, on est tout bon. On va continuer. On a combien? Moins 1300, moins 2000. Tout rond. Ok. Il va falloir assumer. Que 38 ça sert à rien. Mais je pense qu'au nord elles sont quoi, 1826. Château d'œuf, c'est qui attaque? 144, 236, trop nombreux. Je pourrais tester quand même, mais bon. Je vais perdre trop de personnes, ça sert à rien. Après, je vais prendre du temps à me refaire des troupes. Surtout qu'ils sont bien, bien formés là quand même. Il n'y a pas à dire. Il y a plusieurs groupes là-bas. Je n'arrive pas à voir combien ils sont en tout. Mais il me semble qu'ils sont quand même beaucoup bien plus nombreux que moi. C'est quoi comme troupe que vous avez? Ils sont combien? Ils sont 4, je crois, ou 3. Allez, je pense. Allez, j'y vais. Ah ouais, quand même. Bon. Bah tant pis, hein. On va tenter. Ça me paraît quand même faisable. En plus, on est quoi au village? On est au village, ils vont attaquer. Je pourrais utiliser ça à mon avantage. Si je me mets ici. Donc déjà, les archers. Voilà, comme ça. L'infanterie ici. En mur de bouclier. Donc ici plutôt. La cavalerie, ça va être un peu plus restreinte. On va les attendre comme ça. Ah ouais. Non, non. J'ai dit quoi?
Il tire quand même, c'est con. Bon. J'arrive pas à faire la différence. Ah, ça m'énerve. Bon, c'est bien, c'est bien. J'en ai perdu un déjà. J'en ai perdu combien? Deux blessés. Restez là, restez là. Attendez, attendez. Ils vont venir. Ils ont combien d'archers? 117. On risque d'être perdant par contre. 117 archers, c'est pas rien. J'ai pas le choix. On va devoir attaquer là. Maximum. J'ai beaucoup de troupes qui sont pas formées. Mais ils ont beaucoup de troupes. Voilà, je suis bête tombé, je suis tombé. J'aurais pas dû faire ça comme ça, mais bon. On a quand même gagnant. 71,8. De renommée, j'en ai perdu 18. C'était une bonne bataille tout de même. Là, j'ai envoyé les troupes. Je devrais pas perdre grand monde, 3 quand même. Hein. Ça me fait beaucoup de prisonniers. Prisonniers 120, donc je peux pas prendre tout le monde évidemment. Mais j'ai perdu pas mal de troupes. 8109. Mais pourquoi en rouge comme ça? Et puis là, on a quoi? Ouais, là, on a quand même quelque chose d'intéressant. Donc ça, non, là, non, ok. Alors que ça sera pour elle. Ça oui, plus lourd mais c'est pas grave. Et puis le reste, allez, je pense que c'est bon, je vais pas continuer comme ça longtemps. Il va falloir que je me repose, ici on est où là? Attends, il va falloir que je me remette bien. On est ici, il va falloir que je me planque un petit peu et que je me repose. Donc là il va falloir que j'aille assez loin. En ville, on va passer là-bas. Chez les Bataniens. En espérant qu'ils ne nous déclarent pas la guerre tout de suite. Le temps que je me repose. Mille quand même, hein. C'est pas rien. Et après, je vais voir exactement ce qu'il me faut à peu près comme troupe à récupérer. Donc de la cavalerie, de l'infanterie. C'est vrai que la cavalerie, on pourrait récupérer. Chez
On pourrait les récupérer directement chez les Azarai, mais soit quand même trop loin. Ou alors par là-bas en bas. On va se faire un tour, donc c'est ça le problème. Mais bon, c'est pas grave, on verra bien. Je vais descendre par là. On est en paix contre avec l'Empire Septentrional, ok. Ah, tu m'étonnes. Ils ont bien pris quand même. Hein. C'est qu'ils deviennent assez puissants quand même, ceux-là. Faut faire attention après à l'avenir. Hein. Soixante-quatre, il me faudrait de la cavalerie aussi. Surtout de la cavalerie. Je crois qu'il y en a par là-bas, en fait, en bas. Je vais aller les chercher tout de suite. Bon, allez, les deux derniers. Qui c'est? Altu, c'est qui c'est Altu? C'est bien Altu, hein? Altu des Iburites, du Zoburite. Non, non, non. M'intéresse pas. Je vais les voir vite fait là-bas aussi. La cavalerie, on n'en récupère pas beaucoup, je trouve, quand même. Hein. Voilà. La cavalerie, on n'en récupère pas du tout, je trouve, quand même. Hein. Est-ce que je vais en récupérer? Ouais, encore deux seulement. Bah, ils sont vraiment par là en fait, les cavaliers. Les cavaliers en tout cas de l'Empire. Il y en a aussi ailleurs, mais là j'ai pas encore la réputation pour. Et puis c'est à peu près tout. Ça me fait quoi? Ça m'en fait 36 seulement, 66-51. À 1900. Ça, j'étais voir, je crois. Ok, bah, je vais regarder ici aussi. Peut-être qu'il y en a aussi de ce côté. Apis, dis donc. Il n'y en a pas. Et en bas, je vais regarder les deux hein, encore. On sait jamais. 1, 2, 3. Je l'ai bien fait. Et 4. Nickel. Ce qui m'en fait 43 du coup. Bon après c'est Asturgie là-bas. Ouais, c'est plus très, très intéressant honnêtement. Ce que je pourrais faire par contre. Bon, je vais quand même perdre de l'argent, mais il faut vraiment que je passe vassal là, parce que là, ça va vraiment plus. Ils sont en guerre contre qui? Occidental contre l'Empire septentrional. C'est pénible, c'est pénible. Non, vraiment, le mieux, c'est vraiment d'attendre. Allez, vas-y, on va continuer. On va passer là-haut. C'est tout ce que je peux faire pour le moment. Le solitaire en reconnaissance, ça c'est bien parce que c'est celle qu'il me faut justement. Donc bonus de 2,5 à la vitesse de déplacement lorsque la morale du groupe est supérieure à 75.
C'est assez rare de se déplacer lorsque la morale du groupe est supérieure à 75 octrois du 1. Les pénalités en cas d'encombrement est réduite de 20%. Je vais prendre ça. Bon, en tout cas, la Sturgie, là, ils se font rouler dessus un peu quand même. Hein. Ospire, mais c'est bon, quoi. Qui c'est Ospire? Oui, là, j'accepte. Allez, ma sœur se marie. Comme c'est joli. Bon, allez, je vais passer ça quand même. Dommage, j'ai juste pas réussi à prendre les 93 qui étaient à côté aussi. J'envoie les troupes. 28 prisonniers. Ah, par contre, j'arriverai pas à les choper, je crois. Oh! Pas mal. Pas mal du tout. Et on prend tout le reste. Ok. On va leur barrer le passage. Voilà. Des dossiers. On va essayer de se les faire. On va y arriver. 93, je vais tester. Il y a 10 blessés, pas de morts. Incroyable ça. Ça va très très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Ah bah tiens. Ah. On a mieux ici. Et là, on a mieux comme ça. Ils sont tous équipés. Par contre, là, c'est un peu... C'est... Ouais, bof. Pas une très grande protection. Ok. Là, on a du monde. On va essayer de se faire ce groupe là. Stop there, Ah, ils stranger. sont tout seuls, c'est pas grave. Allez, on envoie les troupes également. 4 morts cette fois-ci. Là, je suis à fond. Il va falloir que je fasse attention, je suis en terrain ennemi. On va faire demi-tour. On va les revendre un petit peu tout ça. Je vais faire un petit peu de pognon, c'est très bien. Allez, là, faites la paix avec eux. Ils ne servent à rien. Alors, on va passer aux morts. Il me semble que j'ai quand même pas mal d'ennemis là. En prisonnier. Non, j'en ai que 3. Ça va très bien. Commerce. On peut revendre. Comment est-ce qu'on est là? On est très bien. Allez, bah j'ai... Ah bah tiens, il y en a un là-bas. Allez, hop, on continue. It's been a while. J'envoie les troupes, hein. C'est qui ça? Le grand prince. Je vais quand même vérifier ses troupes à lui. On sait qui... si j'envoie les troupes, là, je risque de perdre quand même. Là, ça va, 5. Prisonnier 50. Ok, le reste, c'est bon.
On a 8 blessés, ce qui me fait 39, 59 et, 40, et 50. Ok, donc il va me falloir récupérer maintenant un petit peu d'infanterie. Ok, 528 000. Bon, c'est pas tout ça, mais là je commence un petit peu à en avoir marre. J'ai quand même, je pense, me mettre vassal et puis c'est parti parce que là. Mais avec qui? Est-ce que je me mets avec eux? Oui, je pense que je vais mettre avec eux. Par contre, ils peuvent pas parler. J'aimerais bien savoir où il est. Où Garios? Garios des Comnos. Château de Macaulay. Donc il est là. Il va falloir que j'attende un petit peu. Qu'ils terminent leur siège. C'est bon, ils ont tout terminé. C'est bon, je vais pouvoir choper. Tell me your name. Allez, est-ce que... Je connais votre nom, on raconte que vous êtes un homme courageux. Si le, si le destin décrète un jour que nous devions nous affronter, ce serait un honneur. J'aimerais discuter de quelque chose. J'ai une proposition. Quel est votre avis en matière de la politique? Je voudrais être à votre service. Est-ce que je me mets à son service maintenant? Est-ce qu'il y a des chances? Vous savez quoi? Je vais faire une chose. Je vais sauvegarder quand même. Et au pire, je reprendrai la sauvegarde. Si je vois que ça ne va vraiment pas le faire. Et de toute façon, j'ai bientôt arrêté là. Allez, je me mets à son service. Ah, votre clan est en guerre contre des factions avec lesquelles l'Empire Occidental est en paix. Et alors? Ah, mais je peux pas. Mais si je fais comme ça, en fait, je crois que je perds moins... Parce que si je quitte ici le royaume, voilà, les nobles en fait du royaume n'apprécieront pas, gna gna. Et là, je vais perdre un peu. Ah, mais c'est pas possible hein, quand même. Hein. Bon, je vais attendre un petit peu encore, et puis je vais mettre après à son service. Il est possible que ce sera au prochain épisode encore. J'admets que là, c'est vraiment que de la bataille. Alors, c'est toujours intéressant. Moi, ça me fait plaisir, hein, les batailles. Mais j'ai envie d'avancer et de récupérer des villes. C'est vraiment ce que je souhaite. Ah bah, voilà, tiens. On a un beau groupe, là. Allez, ensemble, s'il vous plaît. Merci. Là, par contre, c'est une bataille. Je vais m'impliquer dedans. Ouh, c'est bon, ça s'est dégagé. Non, je ferai ça après. Allez, ils sont à quelle distance? Ils sont à distance, ils sont quand même assez loin. Ils ont l'air de venir. Donc, eux, je les laisse là. Eux, pareil. Comme ça, ensuite là-bas et là-bas. Ok, donc ça commence déjà avec les archers. Ils sont que 3. Désolé ma soeur. Ils sont que 7 archers, ça va, je peux me permettre d'y aller.
bien tenté, mais c'était loupé. Oups. Yeah. Soldiers, arm shields. Ah mais attends, ils font quoi? Hear me, side by side. Warriors, move. Arrows, get moving. Riders, move. Troops, forward. Mais il reste ici, ok. donc les archers ce sera là-dessus et puis eux, on va aller, on va attendre un petit peu. Je sais pas s'ils vont avancer au dernier moment. Par contre, oui bon ok. N'ont pas l'air d'avancer pour le moment. Soldiers, form a shield wall. Ils sont quand même 135, hein. On va aller en liquider un ou deux déjà. Bon, 135, mais beaucoup de recrues. Voilà ce que c'est quand on n'a pas de bouclier. J'arrive à en choper un. Parfait. Deux morts. 18 de renommée, 19 quasiment. Par contre, pas mal d'améliorations. Ok. Il y en a pas mal des ennemis quand même ici. Hein. Ah, ça va faire une bonne bataille ça aussi. Vous savez quoi? Je vais envoyer les troupes. 3 morts seulement. Il semblait bien qu'ils étaient. Il y avait très peu de personnes. Comment dire, de haut niveau. Des soldats qui n'étaient pas vraiment très entraînés. Toc-toc. On prend tout, on va revendre. Et je pense que je vais pouvoir m'arrêter là. Malheureusement, j'ai pas vraiment regardé l'heure. Pour l'enregistrement ou 119 tiens avec une armée en formation. Je vais faire la dernière bataille. J'envoie les troupes. 4 morts. Ça va bien, c'est rapide. Là je suis à fond. Est-ce qu'il y a des recrues là? Non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. pillard, on s'en fout, ça, on s'en fout. Voilà, ça va bien comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas grand-chose. Ok. Et ici, qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné Amdast.
je suis au maximum. Augmente votre défense contre les dégâts de charge montée de 50%. Défense contre les dégâts de charge à deux de monture des troupes d'infanterie de la formation que vous menez est augmentée de 30%. Vos attaques à la lance ABC, je vais prendre celui-là. Dès que je vois lance ABC, c'est pas ce qui me concerne. Je vais aller aux morts. Et je vais regarder également. Je vais 16 blessés quand même. Ça me fait 40 cavalerie. Ça me fait 56 infanterie. Et 48 à distance. On n'est pas trop mal, mais un petit peu plus d'infanterie. Ça me dérangerait pas. Ah, j'en ai beaucoup, dis donc. Commerce. Augmentation de la vitesse de déplacement des troupes. Chasseur. Il me reste, je vends. 37 000. Par contre, là, il va falloir attendre encore un petit peu. Est-ce que j'avais regardé ce que j'avais ici comme recrue? Oui, pas grand chose. Allez, on se soigne. On attend une journée, on regarde si on peut récupérer des nouvelles troupes. On regarde ici aussi, on n'est qu'à moins 150, moins 528, ça baisse vite. Hein. Ça baisse très vite. Rien de nouveau. 40, 56, 48, c'est très bien comme ça. Je sauvegarde. Et puis la prochaine fois, on va voir comment ça va se passer. Mais... diplomatie. En tout cas, il n'y a absolument aucun soutien. 2% pour la Batanie, là. Pas de soutien. Empire occidental avec l'Empire septentrional et la Batanie, ils sont pas en guerre. Donc j'espère qu'ils vont nous déclarer la guerre bientôt, là, vraiment. Je viens de le faire, bon, c'est pas grave. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à la prochaine, en espérant que je devienne vassal avec les Bataniens, j'espère quand même. Donc voilà. Allez, à la prochaine. Ciao.